Geneviève Asselin. Explosion des cas de variants au Québec. 4 régions repassent en zone rouge. 3 villes sont mises sur pause. Le Labrador pour stocker des déchets nucléaires de l'étranger. Les révélations de notre équipe d'enquête sur des discussions secrètes. En Russie, le combat de Vladimir Poutine pour faire taire ses opposants sur le web. Ce soir, au Téléjournal. Il y a eu des assouplissements, mais l'effet qu'on est en train d'observer, c'est du relâchement. On l'a carrément échappé. On ne peut pas ne pas agir. Ça peut exploser dans n'importe quelle des régions au Québec. C'est vraiment comme une mine avec un puits pour stocker des déchets nucléaires. Des gens haut placés se rassemblent dans une espèce de conspiration destinée à garder au secret un plan. Ты в ТикТоке, я в ТикТоке, улыбаюсь, руки в бок. I don't want to say something that will make government close my Instagram. Это единственный способ обещания. Bonsoir à tous. En 24 heures à peine, le portrait de la pandémie a changé au Québec. Des éclosions de variants forcent le gouvernement Legault à ajuster le tir et il choisit de le faire de façon chirurgicale. 4 régions basculent en zone rouge. Et dans ces régions, l'Outaouais, la capitale nationale, le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches, 3 villes sont particulièrement ciblées. Le gouvernement impose des mesures d'urgence à Gatineau, Québec et Lévis, où les écoles et commerces non essentiels devront fermer et où le couvre-feu revient à 20 heures. Le gouvernement espère ainsi prévenir une hémorragie qui affecterait toute la province. Voyons d'abord le compte-rendu de Véronique Prince. À Québec et Lévis, les autorités n'observent pas seulement une tendance à la hausse du nombre de cas depuis une semaine, on parle maintenant d'une véritable flambée. Pas seulement à cause d'une éclosion importante dans un gym ou d'un relâchement des mesures, mais parce que les variants se propagent à une vitesse fulgurante. Pour moi, c'est devenu dangereux. On l'a carrément échappé. Et c'est le même constat dans la ville de Gatineau, où là aussi, le virus prend la tangente inquiétante. Tellement que 24 heures à peine après avoir lancé les avertissements, le premier ministre se rend à l'évidence. Il faut agir rapidement avant qu'il y ait un impact trop grand sur les hospitalisations. Il faut amputer parce que ça va trop dégénérer. L'électrochoc s'impose à Québec, Lévis et Gatineau. Dès demain et jusqu'au 12 avril, non seulement le couvre-feu revient à 20 heures, mais tous les commerces non essentiels ferment de nouveau. Dans ce restaurant qui vient de rouvrir, les propriétaires qui écoutent le point de presse essayent de rester positifs. Ça va donner quoi de se fâcher? Pas grand-chose. Fait qu'on met 10 jours, pour moi, c'est pas catastrophique. Les élèves revenus sur les bancs d'école devront aussi retourner à la maison pour de l'enseignement à distance. Ça va être un peu un challenge, mais on devrait s'en sortir. Là. J'aurais aimé rester à l'école parce que j'ai des amis, j'ai une super prof. Ce qui me fait le plus mal au cœur dans tout ça, ce sont les écoles. Le premier ministre ne regrette pas d'avoir relâché les mesures sanitaires dans les derniers jours, malgré la 3e vague qui pointait à l'horizon. Pas question aujourd'hui d'attendre des mises à jour sur l'état de la situation sanitaire. On est mieux de prendre une décision qui est imparfaite plus rapidement que d'attendre trop longtemps puis de voir la situation se gâter là, dans les hôpitaux. Les commerçants recevront des nouvelles compensations, comme le demande le maire de Lévis. Ils savent très bien qu'un commerce sur deux qui est menacé de fermeture. Mais au fond, ils n'ont d'autre choix que d'appliquer ces mesures-là si on veut garder l'équilibre. C'est frustrant simplement à cause que c'est des conseils assez simples à suivre. Les Gatinois que nous avons rencontrés sont frustrés, mais résignés. François Legault leur demande un dernier effort pour le congé de Pâques. On doit pas faire de petites exceptions. Il faut suivre les règles à la lettre. C'est la seule façon qu'on va éviter les explosions de cas. Regarde. Mon état d'esprit, c'est j'ai juste hâte de pouvoir prendre mes enfants et mes petits-enfants. Le gouvernement surveille de près d'autres régions du Québec où les variants risquent de se propager plus rapidement que le rythme de vaccination. Il les avertit dès maintenant. S'il le faut, elles aussi devront prendre une pause forcée. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.
Alors, je poursuis avec notre chef de bureau à Québec. Alors, Sébastien, comment expliquer que le premier ministre ne nous ait pas dit hier ce qu'il a annoncé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en 24 heures? Ma compréhension, Geneviève, c'est que le gouvernement attendait d'autres données, de nouvelles données, notamment les chiffres du jour, pour confirmer ou infirmer la tendance dans les 5 régions qui avaient été ciblées, celles qui étaient sous haute surveillance. Les autres données qu'on attendait, c'était les projections. Alors, je n'ai pas les projections pour toutes les régions ciblées, mais je peux vous dire qu'à Québec, on m'a dit que d'ici quelques jours, très rapidement, il pourrait y avoir jusqu'à 500 cas de COVID par jour, alors qu'on est actuellement à 200. Donc, une montée exponentielle. Cette attente a permis d'exclure le Saguenay-Lac-Saint-Jean des nouvelles mesures, mais d'inclure le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale et l'Outaouais. Un peu comme si, pendant 24 heures, on avait décidé de confirmer la trajectoire de la tempête et aujourd'hui de placarder les fenêtres en se disant, bon, si la tempête passe à côté, on sera soulagé, mais si jamais elle frappe, au moins, on va avoir essayé de minimiser, réduire les dégâts. En tout cas, il y a 2 semaines à peine, le couvre-feu était repoussé à 21h30, on ouvrait les gyms, les salles de spectacle, bref, le gouvernement envoyait un message de relâchement. Est-ce qu'il aurait mal évalué la situation? Oui, puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous disait aussi ces derniers jours, on savait que la troisième vague s'en venait, on savait que les variants étaient plus contagieux, on savait que le nombre de cas augmenterait. Ben, là, alors la question, c'est pourquoi, en effet, il y a 2 semaines, vous avez décidé de déconfiner. Puis là, l'autre question, c'est est-ce que le gouvernement n'a pas contribué au message ou à l'ambiance de relâchement en disant, regardez, on vaccine, on déconfine, et ça a été interprété par une partie de la population comme un moment pour relâcher, ce qui n'était pas du tout adéquat dans les circonstances. Alors, on peut se demander, en effet, si le gouvernement n'est pas un peu responsable de ce qui se passe actuellement. C'est toujours délicat, voire hasardeux, Geneviève, de regarder le passé avec les yeux du présent, puis d'analyser de cette façon-là. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a 2 semaines, on envoyait un message de déconfinement, de dire « ça va bien aller, il y a une lumière au bout du tunnel ». On s'aperçoit que cette lumière-là, c'est peut-être un train qui s'appelle variant, puis qui va nous prolonger un peu plus dans cette pandémie-là. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que les mesures actuelles vont permettre de s'en sortir? Le gouvernement nous dit, on les applique maintenant pour essayer de s'en sortir, mais attention, d'autres régions pourraient aussi avoir des mesures plus serrées au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Sébastien Beauvais. Bonne soirée. Au revoir. Stay tuned. You'll hear an announcement tomorrow, but I'm very, very concerned to see the cases go up. De nouvelles mesures sont aussi attendues demain en Ontario. Selon CBC, cela prendrait la forme d'un reconfinement partiel d'un mois. La situation est devenue critique dans cette province qui a dépassé plus de 2000 nouveaux cas pour un 7e jour de suite. 421 malades sont aux soins intensifs, un sommet depuis le début de la pandémie. La tendance à la hausse se confirme aussi dans l'ouest du pays. La Colombie-Britannique enregistre même un nouveau record quotidien. Au Nouveau-Brunswick, où c'est plus stable, le premier ministre a été vacciné aujourd'hui. Blaine Higgs a choisi de recevoir une dose d'AstraZeneca pour afficher sa confiance envers le vaccin. La France, elle, est frappée de plein fouet depuis 2 semaines par la 3e vague, au point où le président Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui un reconfinement sur tout le territoire. Le pays compte maintenant plus de 95 000 morts. Et la donnée qui fait sursauter, c'est que parmi les 5 000 patients aux soins intensifs, 44 % ont moins de 65 ans. Alors Marie-Ève, puisque les variants affectent maintenant aussi les plus jeunes, il y avait urgence là pour le président Macron d'imposer des mesures plus strictes. Le président Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux Français pour la première fois depuis la fin du mois de novembre dernier pour leur annoncer de mauvaises nouvelles. La situation est alarmante au pays, donc il faut corriger le tir, il faut agir. Il a annoncé 3 mesures principales. La plus importante, peut-être, celle qui va faire mal le plus au quotidien des gens qui seraient le plus difficile à gérer, c'est la fermeture des écoles pour les 3 prochaines semaines, c'est-à-dire que les élèves devront aller en classe, mais de façon virtuelle, à distance, la semaine prochaine. Et ensuite, pour les 2 semaines qui suivent, c'est le congé scolaire qui est devancé pour tout le territoire français. Les mesures restrictives qui avaient été imposées à 19 des départements français vont maintenant être imposées à toute la France à partir de cette fin de semaine. Donc, fermeture des commerces et télétravail systématique. Et la 3e des annonces d'Emmanuel Macron, importante aussi, c'est l'augmentation des capacités dans les unités de réanimation, dans les hôpitaux. Pour l'instant, il y a quelques 7000 lits qui sont disponibles pour 5000 patients. Emmanuel Macron qui souhaite voir ce chiffre passer à 10 000. Il a cherché à éviter à tout prix d'en arriver là, mais il n'avait plus le choix. On l'écoute.
Je sais combien les efforts que je vous demande sont difficiles. Je mesure ce qu'ils emportent de conséquences pour notre pays et pour vos vies. Et vous savez aussi que nous avons tout fait pour prendre ces décisions le plus tard possible et au moment où elles devenaient strictement nécessaires. C'est maintenant. Et vous êtes de retour d'un séjour en Turquie, un autre pays qui connaît une explosion de cas. Le portrait s'assombrit aussi en Turquie. Le président Erdogan avait annoncé une normalisation de la situation graduelle début mars. C'est maintenant le moment de faire marche arrière avec un couvre-feu qui sera imposé dans les zones rouges dont fait partie Istanbul dès cette fin de semaine. Et avec l'arrivée prochaine du Ramadan, les mesures de restrictions sanitaires seront d'autant plus importantes. Ce n'est pas que le retour du beau temps qui fait sourire. Se retrouver entre amis, attabler un verre à la main, c'est un cadeau précieux après des mois de confinement. C'est un grand plaisir de revenir parce que ça a fait presque 13 semaines qu'on est resté à la maison et c'était long. Début mars, le président Erdogan ouvrait la voie à une certaine normalisation en Turquie. Un relâchement des mesures sanitaires selon un classement par couleur. À Istanbul, les enfilades de tables qui débordent sur les rues étroites ont enfin pu retrouver des convives. Quand la Turquie a autorisé la réouverture des bars et des restaurants, le pays avait réussi à ramener le nombre de nouveaux cas de contamination à 11 000 par jour en moyenne, par rapport à plus de 30 000 au plus fort de la crise en décembre. Mais c'était inévitable, le retour à la promiscuité a fait repartir les nouvelles contaminations à la hausse. La propagation du virus frappe de nouveau la Turquie de plein fouet. Les deux tiers des provinces, dont Istanbul, sont passées au rouge, soit considérées comme à très haut risque. Mardi, 37 303 nouvelles infections ont été recensées. C'est un record depuis le début de l'année. Les beaux jours sur les terrasses ne pouvaient pas durer. Le gouvernement fait marche arrière. La fin de semaine qui vient marquera le retour d'un couvre-feu du vendredi soir au lundi matin. Les restaurants et cafés, eux, devront fermer leurs portes au public dès le début du Ramadan, le 12 avril prochain. Les repas communautaires, comme le veut la tradition, seront interdits. Pandémie le mücadele ederken elinizde çok alternatifler yok. Bunların başında ya her şeyi tamamen uzun bir süre kapatarak sosyal hayatı ve insanların tamamen kapalı bir alanda uzun süre kalmasını sağlamanız lazım. L'unité des soins intensifs de l'hôpital que Mehmet Altunas dirige à Istanbul a retrouvé un certain rythme de croisière, mais l'explosion des cas pourrait faire basculer la situation rapidement. Hastalarımızın büyük bir kısmı yoğun bakımlarda kaybediliyor. Bu da tablonun ne kadar ciddi olduğunu ve buranın ne kadar hayati önem taşıdığını gösteriyor zaten. Yani %50 civarında yoğun bakıma giren hastaların, normalde de yoğun bakıma giren hastaların yoğun bakımdan çıkma oranları %50 civarıdır. Comme dans bien des pays, la campagne de vaccination accuse en Turquie un sérieux retard sur les objectifs annoncés. 15 millions de doses du vaccin chinois Sinovac ont été administrées depuis la mi-janvier pour une population de 83 millions de personnes. De ce nombre, on estime qu'un peu plus de 6 millions de Turcs ont reçu les deux injections nécessaires à une protection optimale. C'est encore trop peu pour faire une véritable différence alors qu'on lâche du lest sur les restrictions sanitaires. On ne fait que travailler. Vous savez, on travaille 5 jours et les 2 jours où vous restez à la maison, c'est pas facile. Psychologiquement. Et pourtant, il faudra bien s'y faire encore un bon moment. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Istanbul. Il contribue à la transmission communautaire, donc ça serait important aussi de pouvoir cibler ces groupes-là. Des nouvelles encourageantes en ce qui concerne la vaccination des enfants et des adolescents. Le vaccin de Pfizer-BioNTech aurait une efficacité de 100 % chez les jeunes de 12 à 15 ans. C'est ce que révèlent les premiers essais cliniques menés auprès de 2200 participants. À ce jour, aucun vaccin n'a reçu le feu vert de Santé Canada pour les moins de 16 ans.
Après la pause, un projet secret d'entreposage de déchets nucléaires. Je reçois Marie-Maude Denis, l'animatrice de l'émission Enquête. Et plus tard, de nouvelles images des derniers moments de George Floyd au procès du policier accusé de l'avoir tué. Radio-Canada a obtenu une correspondance privée entre des hommes d'affaires canadiens, américains et japonais qui lèvent le voile sur un projet qui sera sûrement controversé s'il va de l'avant. L'émission Enquête a appris qu'ils envisagent de construire un site de stockage de déchets nucléaires permanent au Labrador pour y enfouir des déchets hautement radioactifs importés de l'étranger. Voici ce qu'a obtenu Marie-Maude Denis, l'animatrice d'Enquête. Nous avons obtenu des échanges de courriels de 2019 et 2020 dans lesquels on apprend qu'ils travaillent sur un projet de site de stockage de déchets hautement radioactifs au Canada. Le professeur de géologie de l'Université d'Ottawa, Ian Clark, nous explique de quoi il s'agit. C'est vraiment comme une mine avec un puits en profondeur et des galeries qui sortent en profondeur pour avoir d'espace vraiment pour stocker des déchets nucléaires. Une lettre d'un ancien premier ministre canadien destinée au potentiel partenaire japonais révèle où pourrait se situer le site de stockage. Le granit sec du Labrador serait parfait pour cette utilisation. La Finlande a déjà un site de ce genre et le Canada a aussi un projet en marche en Ontario dont on discute publiquement depuis des décennies pour stocker les déchets des centrales nucléaires canadiennes. Mais le projet discuté dans les courriels est complètement différent et secret. D'ailleurs, l'un des hommes d'affaires du Japon écrit à l'ancien premier ministre canadien. Le plus grand soin est nécessaire pour que cette information ne soit pas divulguée. Ah, si ça se faisait, ça serait sensationnel, parce que ça ne s'est jamais fait et il y a de bonnes raisons pourquoi ça ne s'est pas fait. Michael Schneider est un consultant international en énergie nucléaire basé à Paris. Nous lui avons fait lire les courriels que nous avons obtenus. La première réaction a été une stupéfaction à quel point des gens extrêmement haut placés se rassemblent dans une espèce de conspiration incroyable, une conspiration clairement destinée à garder au secret un plan et de le faire avancer suffisamment loin pour confronter les décideurs avec des faits accomplis. Alors, Marie-Maude, le moment de vérité est arrivé. Votre expert évoque un ancien premier ministre canadien. De qui s'agit-il?
Eh bien, Geneviève, il s'agit de Jean Chrétien parce que vous savez que depuis qu'il a quitté la politique, il travaille dans de grands cabinets d'avocats et c'est à ce titre qu'il agit dans ce dossier comme avocat conseil des promoteurs de ce projet qui sont des clients du cabinet Dentons où travaille Jean Chrétien. D'ailleurs, les promoteurs n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue, estimant que c'était trop tôt dans le développement de leur projet. Et lorsque nous avons communiqué avec Jean Chrétien pour la première fois, il semblait avoir un vague souvenir de ce dossier-là, sauf que lorsqu'on l'a rappelé en lui disant qu'on avait la lettre qu'il a signée pour un des potentiels partenaires japonais du projet, eh bien là, il a accepté de s'asseoir avec nous, de nous accorder une entrevue à la caméra. Ça s'est passé la semaine dernière à sa résidence d'Ottawa. Donc, il va défendre bec et ongle dans cette entrevue l'importance du nucléaire et la possibilité que le Canada accueille des déchets nucléaires de l'étranger. Alors, votre reportage complet est à voir demain soir à l'émission Enquête. Marie-Maud Denis, merci beaucoup. Merci. Elle a été dans les forces armées canadiennes pendant 8 ans. Aujourd'hui, Stéphanie Viau brise le silence sur une agression sexuelle qu'elle aurait subie au début des années 1990. L'homme visé par les allégations est l'actuel patron des ressources humaines dans les forces, Hayden Edmundson. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet d'enquêtes sur des allégations de comportements inappropriés, comme nous le révélions il y a 3 semaines. Le vice-amiral Edmundson nie avoir eu une relation non consensuelle avec qui que ce soit. Il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Voici Laurence Martin en collaboration avec nos collègues de CBC. C'est sur un navire de la marine canadienne que le cauchemar de Stéphanie Viau a débuté. J'étais le steward qui travaillait durant la nuit. Stéphanie avait 19 ans à l'époque. Elle venait tout juste de s'enrôler dans les forces armées. Une de ses tâches, c'était de réveiller les officiers pendant le quart de nuit. Avec ma lampe de poche rouge, je devais rentrer dans leur chambre et aller les réveiller. Et c'était le cas aussi pour le lieutenant-commandant Edmundson. Le vice-amiral Hayden Edmundson, aujourd'hui grand patron des ressources humaines, était à ce moment-là le 3e plus haut gradé sur le navire. Il était complètement dévêtu, sur son dos, sur son lit, et il m'attendait. J'étais vraiment frustrée et j'ai crié. Mais ses cris seraient tombés dans l'indifférence. L'officier qui dormait dans sa chambre m'en a jamais parlé. Il y a eu... C'était le code du silence. Personne est venu me voir, me dire qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le bateau s'amarre à Hawaï, Hayden Edmundson aurait demandé de voir la jeune femme dans sa cabine. He started undressing me and he removed all my clothes. And then he turned me around and he raped me. Il m'a poussée contre le mur, a commencé à me déshabiller et ensuite il m'a violée, raconte-t-elle à nos collègues de CBC. Pour la jeune femme, le souvenir est trop douloureux pour qu'elle le répète en français. J'ai dit, bien, je vais aller voir où elle est parce qu'on l'attendait pour sortir. Une autre membre de l'équipage qui a demandé à conserver l'anonymat affirme que Stéphanie Viau était introuvable au moment de l'agression alléguée. Je l'ai appelée, puis j'entendais rien. Je ne l'ai pas entendu me répondre. Selon Stéphanie Viau, Hayden Edmundson avait alors mis la main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Les gens ne parlent pas, les gens ne dénoncent pas parce qu'il n'y a pas de conséquences. Elle dit avoir gardé le silence pendant des années par crainte de représailles pour sa carrière. Aujourd'hui, Stéphanie Viau n'est plus dans les forces, mais elle souhaite une enquête indépendante sur le vice-amiral. Je parle aujourd'hui pour me libérer de ça et pour essayer d'obtenir justice. Parce qu'il n'y a personne qui devrait passer sa vie comme que je l'ai passé. J'ai été brisée de ça. J'ai été traumatisée par ça. Dans un communiqué, le vice-amiral Hayden Edmundson nie catégoriquement avoir eu une relation sexuelle non consensuelle avec qui que ce soit. Les forces armées, elles, se disent troublées par ces allégations qui seront analysées par son service d'enquête. D'ailleurs, Hayden Edmundson a été retiré de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. Et quant au ministre de la Défense, il dit n'avoir pris connaissance des allégations que mardi après-midi. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Ça ne change rien. On va toujours se rappeler qu'est-ce qui est arrivé. I don't think any amount of money is going to compensate for what my father endured. C'est une bien mince consolation pour les proches des 47 résidents du CHSLD Heron à Dorval, emportés par la COVID l'an dernier. Ils ont conclu une entente à l'amiable de 5,5 millions de dollars avec la direction. La somme sera aussi partagée avec les résidents
qui ont survécu. Dans une action collective, les familles reprochaient à l'établissement d'avoir négligé les résidents, de les avoir privés de soins. Certains seraient même morts de faim et de soif. Un autre dossier qui trouvera bientôt son dénouement, le comédien Edgar Fruitier connaîtra sa peine le 30 juin, lui qui a été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur un adolescent. La Couronne a réclamé aujourd'hui 6 mois de prison. Depuis un an, les peines pour les agresseurs sexuels d'enfants sont beaucoup plus sévères. C'est la conséquence d'une décision charnière rendue par la Cour suprême, comme le rappelle Geneviève Garon. C'est ça que je trouve qui m'a le plus traumatisée. Cette femme traîne depuis son adolescence le souvenir d'un processus judiciaire éprouvant. Après l'avoir droguée et agressée sexuellement de 12 à 16 ans, le conjoint de sa tante a écopé de 4 ans de détention. J'ai trouvé ça assez léger. Parce que, écoute, c'était pas juste de l'agression. Ça a été des draps pleins de sang, ça a été la drogue, ça a été... Je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment très peu pour tout ce qui m'a fait subir, surtout sur une longue période. Il y a un an, la Cour suprême du Canada rendait l'arrêt Friesen, qui impose aux tribunaux de punir les agresseurs d'enfants plus sévèrement. Par exemple, à Montréal, il y a eu un 12 ans d'imposer un père à l'égard de sa fille. On a également vu à Québec une décision où 14 ans a été imposée. Donc, on parle de peine maximale, on parle de peine qui, dans le passé, aurait peut-être été plus inusitée, mais ce n'est plus le cas. Et le propriétaire d'un centre équestre en Montérégie, Clément Lamoureux, qui a abusé de 12 filles, a écopé d'une peine exemplaire de 15 ans de détention. Chaque semaine, des jugements de la Cour du Québec citent l'arrêt Friesen. La décision demande un changement de vocabulaire afin d'éviter les mots qui banalisent les agressions, comme « caresser » ou « effleurer ». C'est de prendre un recul pour s'assurer que les termes que nous allons utiliser vont davantage représenter ce que le geste a été du point de vue de la victime. Les dénonciations de crimes sexuels envers les enfants ont pratiquement doublé au pays entre 2015 et 2019. De 5 256 cas, ils ont franchi le cap des 10 000. Bon an, mal an, la police de Montréal traite 850 dossiers de cet ordre. Ces enquêteurs ont une approche centrée sur le bien-être de l'enfant et travaillent en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent. Les enfants, bien, ils dévoilent davantage, plus facilement, quand ils sont... quand que le lien de confiance avec l'enquêteur est présent. Puis pour établir ce lien de confiance-là, bien, on parle plus d'émotions. Les conséquences dévastatrices des crimes sexuels sur les enfants doivent être au cœur de la détermination de la peine, dit la Cour suprême. Il faut mettre une plus grande emphase sur les conséquences psychologiques, émotionnelles et pas simplement sur le côté physique. Si le message de dénonciation est clair, de lourdes peines ne permettent pas nécessairement d'éviter une récidive, préviennent des criminalistes. Une fois que la sentence d'incarcération est terminée, ces gens-là réapparaissent dans la communauté, étiquetés, avec souvent une estime de soi qui est très basse. Des fois, ça peut les mettre à risque de récidive, plus que si il y aurait eu un accompagnement, un suivi à l'extérieur, puis qu'on aurait travaillé sur leurs faiblesses. L'équilibre est difficile à atteindre. Entre donner un sentiment de justice aux victimes et viser la réhabilitation d'un agresseur. Nous autres, c'est pas juste 4 ans, c'est les années de thérapie. Après, c'est ça se crappe une vie, là, tu sais. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Montréal. Le Canada fait volte-face. Il renonce à interdire les néonicotinoïdes, ces pesticides souvent décrits comme des tueurs d'abeilles. En 2018, une agence fédérale avait pourtant recommandé d'en interdire tout usage extérieur en raison de leur effet nuisible sur les insectes. Mais au terme d'une consultation publique, Santé Canada préfère en limiter l'utilisation pour certaines cultures seulement. Les néonicotinoïdes sont déjà interdits dans plusieurs pays d'Europe. Une interpellation policière qui tourne rapidement au cauchemar après la pause des images troublantes tournées juste avant la mort de George Floyd. Et à venir, menace d'une offensive radicale en Russie pour contrôler davantage Internet, jusqu'ici relativement libre. Et plus tard, il y aura une nouvelle usine de vaccins au pays. On en parle avec Gérald Filion.
Ce sont des scènes bouleversantes qui jettent une lumière crue sur l'arrestation de George Floyd il y a près d'un an à Minneapolis. Des images de caméras corporelles des policiers ont été présentées au procès de l'ex-agent Derek Chauvin, accusé de l'avoir tué. Une incursion donc au cœur même du drame, alors que George Floyd en était à ses derniers instants. Un témoin a aussi raconté ce qui a mené à son arrestation, le compte-rendu d'Azeb Waldegorgis. Tout est parti d'un faux billet de 20 $ que George Floyd a remis au caissier pour payer des cigarettes. C'est la première fois qu'on voit les images à l'intérieur du dépanneur Cub Food. George Floyd semble en pleine forme, on le voit même danser. À la barre des témoins, l'ancien caissier Christopher Martin, qui regrette aujourd'hui d'avoir informé son gérant du faux billet. If I would have just not taken the bill, this could have been avoided. Tout ceci aurait pu être évité, dit-il. Et ceci, c'est l'appel au 911 qui a suivi, puis l'arrestation musclée de George Floyd, qui s'est soldée par sa mort. Ne me tuez pas, disait-il, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Puis il résiste lorsque les policiers tentent de l'embarquer dans leur véhicule. Ses gémissements résonnent à l'intérieur de la cour. Les témoins s'effondrent avec un sentiment de culpabilité et d'impuissance. I don't have a mama either, but I understand him. À l'extérieur du tribunal, les militants de Black Lives Matter ont installé un campement. Derek Chauvin est non seulement coupable à leurs yeux, mais il incarne un système raciste. La cour ressemble à une forteresse. Les autorités veulent protéger le tribunal, alors que c'est nous qui devrions être protégés, nous dit Samantha Christensen. And our ultimate goal is to liberate ourselves from those oppressive systems. Notre objectif, dit-elle, est de nous libérer de ce système oppressif. Elle s'est enchaînée sur les grilles, sur les cadenas, les noms de personnes mortes, victimes de la brutalité policière. Ces chaînes sont le symbole de nos ancêtres qui sont arrivés enchaînés dans ce pays, dit-elle. Nous avons tous les droits d'être ici. Puis, des passants viennent montrer leur solidarité. J'habite là où il y a eu le meurtre de George Floyd, dit-elle, car il s'agit bien de meurtre. Avec ce procès diffusé en direct tous les jours, les Américains revivent en détail le drame du 25 mai 2020. La ville est sous haute tension, les soldats de la garde nationale sont sur le qui-vive, comme si seul un verdict pouvait crever l'abcès. Ici Azeb Waldegorgis, Radio-Canada, Minneapolis. We'll create millions of jobs, good paying jobs, we'll grow the economy, make us more competitive around the world. Joe Biden a présenté un programme ambitieux de 2 000 milliards de dollars pour les infrastructures aux États-Unis. Le président américain veut créer des millions d'emplois, tenir tête à la Chine et lutter contre le changement climatique. Pour financer son projet étalé sur 8 ans, il compte hausser l'impôt sur les entreprises. Joe Biden précise que l'objectif est surtout de remédier aux inégalités qui ont été creusées durant la crise sanitaire. After the civic protest, we saw new laws that are now regulating social media. Des réseaux sociaux étrangers et leur contenu pris pour cible. Après la pause au téléjournal, le Kremlin serre la vis pour tenter de freiner la contestation.
L'opposant russe Alexeï Navalny entreprend une grève de la faim en prison où il purge une sentence de 2 ans et demi. Il affirme y être torturé par privation de sommeil et dit qu'on lui refuse un médecin alors que sa santé se détériore. Cette quête de justice se propage sur le web via des plateformes comme TikTok et Facebook où il rallie ses partisans. Le Kremlin menace d'ailleurs de sévir et même d'en bloquer l'accès. Mais jusqu'où peut-il aller sans s'attirer les foudres d'une génération qui a grandi avec une liberté en ligne? Tamara Alteresco s'est penchée sur la question. Ils ont de 18 à 30 ans et leur univers tourne autour de ces petites vidéos. De Moscou à Vladivostok, leur contenu est aussi étrange qu'il est divertissant. La plupart du temps, inoffensif, même quand on se paie la tête du président. Avec 30 millions de Russes abonnés à TikTok, la force de frappe est immense et en pleine croissance. Anna s'en sert, elle, pour publier des capsules linguistiques où elle traduit de l'anglais au russe des expressions populaires. This energy, people's energy, which I get from people, this is why I'm on TikTok. Because really, I remember my feelings when I got 2 million views in one night. Elle s'en tient à des textes légers ou éducatifs et dit qu'elle n'oserait jamais publier quoi que ce soit qui pourrait compromettre son compte. I don't want to say something that will make government close my Instagram. I don't want to play this game, these risks and stuff. You're afraid. Oh, okay, we can say I'm a girl, I'm afraid. Yeah, okay. Le retour au pays de l'opposant Alexeï Navalny au mois de janvier aura été un moment décisif. Des dizaines de milliers de vidéos appelant à manifester ont inondé les réseaux. Des élèves qui décrochent le portrait de Vladimir Poutine à l'école sont devenus un symbole et un prétexte pour sévir contre les géants étrangers d'Internet. And that's why after the civic protest this winter, we saw the new wave of restrictions, repressions, and new laws that are now regulating social media. Obliger les dirigeants des plateformes comme TikTok à supprimer des messages est désormais coutume ici sous peine d'amende. La blogueuse Kristina Kamenskaya dit qu'elle n'utilise même plus les mots-clics comme Navalny depuis qu'elle s'est rendue compte que ses publications disparaissaient soudainement de son fil d'actualité. Это единственный способ вещания. Делиться с друг другом новостной повесткой, правдивой новостной повесткой, потому что по телевидению, ну, это невозможно. Ces applications, qui étaient pour elle un espace de liberté, seront soumises à des lois morales pour protéger la jeunesse, disait Poutine au début du mois. И всегда. Il s'emportait ainsi contre les Twitter, Instagram et Facebook, qui ont tous refusé de se plier à la censure, telle que dictée par le Kremlin. C'est déjà le cas de Twitter que le gouvernement menace de bloquer complètement en Russie si les dirigeants effacent pas des milliers de messages. Et en guise d'ultimatum, Roskomnadzor, qui est l'agence qui patrouille l'Internet ici, a déjà commencé à en ralentir l'accès. Tout ce qui est photo, tout ce qui est vidéo se télécharge beaucoup plus lentement. Twitter n'est pas le plus populaire des réseaux sociaux en Russie, mais qu'on s'en serve comme terrain d'essai, ça envoie un message assez inquiétant. They will continue this trend and we will see new blockings, even shutdowns, if the civil protest happen again, as it happened in Kazakhstan and in Belarus. L'avocat Sarkis Darbinyan milite en faveur des libertés numériques pour sauver, dit-il, ce qu'il en reste en Russie. Car à la différence de la Chine, le gouvernement russe a mis des années avant d'essayer de contrôler le contenu, comme il le fait déjà pour la télévision. Sans des chaînes complètement libres comme YouTube, l'opposition n'aurait aucune chance d'exister, encore moins d'influencer l'opinion publique avec des enquêtes spectaculaires comme celle sur le palais de Poutine, qui a été visionnée plus de 115 millions de fois depuis le début de l'année. Mais une loi adoptée en 2019, qui a pour but ultime de créer un Internet souverain, permet désormais au régime de contourner les fournisseurs, de bloquer du contenu et même de débrancher des sites quand bon lui semble. It could happen, but I don't think so. Renat Yanbekov, qui est producteur de contenu pour des jeunes comme Anna, ne tient rien pour acquis. Mais il doute que ce soit dans l'intérêt du Kremlin de couper les Russes de l'Internet mondial. Social network in Russia more
than just social network. Les éliminer aurait des conséquences économiques catastrophiques. Lot of Russian users and companies are integrated in the worldwide economy and are making money in YouTube, and there are no other alternatives. Mais d'ici là, les autorités se faufilent là où elles le peuvent, et ça n'a rien de subtil. Par exemple, dès le 15 avril, tous les téléphones intelligents vendus en Russie, iPhone et Android, contiendront des applications pré-approuvées par le Kremlin en première page. Le gouvernement semble aussi avoir trouvé preneur chez des jeunes stars de TikTok qui reprennent des messages identiques au mot près pour faire l'apologie du Kremlin. Mais nous ne sommes pas dupes, dit Christina. Si le Kremlin a prouvé qu'il est capable de chasser les jeunes de la rue avec force, privé d'Internet libre, toute une génération qui a grandi avec un téléphone dans la main s'annonce périlleux, même si la Russie prétend en avoir les moyens. We do need a long-term plan to access vaccines domestically. Le Canada avait besoin d'un partenaire international. Chers Canadiens et Canadiennes, nous l'avons trouvé. Ce partenaire, c'est Sanofi, qui produira des vaccins ici au pays. Les détails avec Gérald Filion, après la pause. Le Canada avait besoin d'un partenaire international qui était prêt à produire des vaccins contre la pandémie d'influenza ici au pays. Et chers Canadiens et Canadiennes, nous l'avons trouvé. Oui, bonsoir Gérald. Bonsoir. Un partenaire pour fabriquer donc des vaccins ici
Oui, Sanofi Pasteur, donc une annonce aujourd'hui importante pour construire une usine de fabrication de vaccins contre l'influenza à Toronto, dans un contexte où on s'est bien rendu compte cette année, durant la dernière année, qu'on fabrique pas de vaccins et que ça nous crée des problèmes par rapport à d'autres pays qui peuvent fabriquer des vaccins. Donc, c'est presque $1 milliard d'investissement. Sanofi injecte 455 millions, le gouvernement du Canada 415 millions, le gouvernement Ford en Ontario 55 millions. On va créer 300 emplois spécialisés et l'ouverture de l'usine est en 2026. Et on nous a dit aujourd'hui que s'il devait y avoir une pandémie de grippe, d'influenza, en 6 mois, on serait capable de vacciner tout le monde avec cette usine-là de Sanofi. Donc, c'est une avancée importante pour le Canada. Parlons maintenant des négociations dans le secteur public québécois. On peut dire que Québec bonifie son offre? On peut dire que Québec bonifie son offre, mais les syndicats demeurent déçus par la proposition qui a été faite aujourd'hui. Il y a eu des propositions en 2019, en 2020 rejetées, et une nouvelle, une troisième offre du gouvernement du Québec pour les 550 000 travailleurs syndiqués de la fonction publique du Québec. Alors, 4 milliards 100 millions sur 3 ans, ça comprend ce qui avait déjà été annoncé, c'est-à-dire une hausse salariale de 5 % sur 3 ans. Ça représente ça, 3 milliards 300 millions. À cela, on va majorer une majoration salariale récurrente de 400 millions. Si l'inflation dépasse 5 % sur 3 ans et si la croissance économique est au rendez-vous, donc il y a des si qui sont attachés à cette majoration, et une somme forfaitaire également de 400 millions de dollars qui est annoncée. Alors aujourd'hui, c'est la présentation qu'a fait Mme Lebel au syndicat. La CSN s'est dit extrêmement déçue en disant qu'il n'y a pas vraiment de majoration. C'est très faible, la majoration, et ça ressemble essentiellement à l'offre qui a été rejetée en 2020. Je vous rappelle que les travailleurs du secteur public sont sans contrat de travail depuis 1 an et que plusieurs syndicats ont voté en faveur d'une grève qui sera pas déclenchée éventuellement, mais on ne sait pas quand. Merci beaucoup, si nécessaire. Oui. Merci beaucoup. Zéro confiance. Il n'y a personne ici qui va pouvoir. Quand je quitterai la politique et je serai à ma retraite, il n'y a personne qui va jamais dire qu'il y a eu des conflits d'intérêts. Le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, est de nouveau sur la sellette pour une question d'éthique. En janvier 2019, il a présenté le premier ministre Legault à un fondateur de White Star, un fonds dans lequel il est lui-même investisseur. Mais Pierre Fitzgibbon maintient qu'il n'a rien à se reprocher. Les avoirs personnels du ministre ont été au cœur de 4 enquêtes de la commissaire à l'éthique. Dans ce contexte, l'opposition multiplie les appels à sa suspension le temps de l'enquête, ce qu'il refuse de faire. À venir, la météo avec Pascal Yakouvakis, neige et pluie demain sur la majeure partie du Québec.
vous nous l'annonciez depuis deux jours, Pascal. Oui, il y aura donc de la neige demain, tout le matin jusqu'à pas mal tard le soir. Oui, ça dépend des régions, effectivement, ouais. Mais une neige assez fondante, assez mouillée. Alors, ça se déplace un petit peu plus à l'est qu'anticipé. Donc, Montréal, pas plus que 5 cm, ouais. Si on se rend là. Ouais. Et les secteurs plus à l'est, évidemment, là, ce sera la bordée de neige. Cette perturbation, elle est sur la côte, en train de se redévelopper quelque peu. Prévu, ça donne ceci. Donc, demain matin, on se retrouve sous la neige et par la suite, ça ira quand même rapidement vers l'est sur les maritimes. C'est carrément de la pluie. Et cette perturbation devrait apporter quand même des quantités importantes de pluie sur les provinces de l'Atlantique. Pour ce qui est des accumulations de neige, on va décaler ça vers l'est. Alors, Montréal, on est dans les 5 cm tout au plus. Là, les Laurentides, 2 à 5. Pour les secteurs de l'Estrie, 10 à 15. Pour Québec, 5 à 10. Mais les secteurs restent vers à peu près 10 à 15. Le bas du fleuve, on aura le plus avec 15 à 25 cm et 10 à 15 cm sur Charlevoix, ainsi que la côte nord dans l'ensemble. Alors, il y a des avertissements de neige abondante indiqués en blanc ici, donc 15 à 20, voire 25 cm par endroit. Pluie verglaçante sur le nord du Nouveau-Brunswick et dans certaines régions de la Gaspésie. Sur le centre, de la pluie abondante indiquée en vert, donc on parle du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et certaines régions de l'est du Québec, notamment la côte nord et la Gaspésie. Alors, de la pluie soutenue demain sur les provinces de l'Atlantique, pourrait tomber jusqu'à 50 mm par endroit, c'est venteux. Sur l'est du Québec, c'est surtout sous forme de pluie sur la Gaspésie ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine. Sur le bas du fleuve, on est en route pour du 15 à 20 cm, voire 25 par endroit. Côte nord, surtout de la pluie, mais pour les secteurs plus à l'ouest, ça sera peut-être au-delà de 5 à 10 cm. Québec, 5 à 10 cm. En Beauce aussi, ça va, cependant, ce sera mêlé de pluie le matin. Sur la Mauricie, 5 ou 5 à 10 cm. Sur le lac Saint-Jean, 5 cm, à peu près 5 à 10 cm. Sur le Saguenay, mais par endroit, ça pourrait aller jusqu'à 15. Charlevoix, une quinzaine de centimètres. Montréal, 3 à 5 cm. Sur l'Estrie, 5 à 10, mais les secteurs est 10 à 15. Sur les Laurentides, 2 à 5 cm, 1 cm ou 2 tout au plus sur l'Outaouais. Au nord, c'est quand même relativement calme, assez beau. Cependant, vers la région de Fermont, on attend 5 à 10 cm et c'est venteux. Le sud de l'Ontario, c'est pas chaud pour la saison, 0 à 1 degré, mais ça va remonter assez rapidement à partir de vendredi. Le nord de l'Ontario, petite journée tranquille, petite matinée très, très froide, mais ça va remonter. C'est des écarts quand même importants, presque 20 degrés à Hearst avec un soleil assez généreux. Sur les prairies, les températures à la hausse jusqu'à 17. Côte du Pacifique, quelques averses, c'est le grand nord. À fois, ça reste plutôt froid, surtout sur les Kalouites, mais Yellowknife, c'est pas si mal avec un peu de neige, avec moins 4. Voilà. Merci, Pascal. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ici que s'achève votre téléjournal de Radio-Canada. Ici Geneviève Asselin, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Dans un instant, sur ICI Radio-Canada Télé, c'est Sport Express avec Guy Daou. Et sur ICI RDI, c'est le National avec Jérôme Bergeron. Bonsoir. À demain.